Le muséum de Bordeaux figure parmi les plus anciennes collections d'histoire naturelle française, puisque la première collection qui est rentrée dans les fonds publics, c'est une collection qui est arrivée en 1791, qui a été donnée par François de Paul Latapie. Et puis ensuite, c'est en 1804 qu'on a vraiment un très gros cabinet d'histoire naturelle qui arrive avec la donation de Bernard Journu-Aubert. Alors, ces collections ont été initialement présentées dans l'ancien hôtel de l'Académie, qui constitué un ensemble appelé le musée, où il y avait aussi une galerie de tableaux, un musée lapidaire et ce cabinet d'histoire naturelle. L'ensemble de ces équipements se sont trouvés rapidement trop à l'étroit et au milieu du 19e siècle, la ville a acheté donc l'hôtel de l'île ferme où nous nous trouvons aujourd'hui, en lisière du jardin public, donc un hôtel particulier construit en 1780 et qui a été très largement transformé, réaménagé pour accueillir ce cabinet d'histoire naturelle et prendre le nouveau nom de muséum. Une des réussites du projet est d'avoir su conserver et remettre en valeur ces vitrines de la muséographie 19e, mais en les rendant plus visibles et en modernisant complètement à la fois le propos scientifique et muséographique et l'aspect visuel de la salle. Le propos a été de prévoir trois rythmes d'exposition. Donc un espace de référence dit permanent, où nous trouvons actuellement, mais aussi un espace dit semi-permanent, avec des expositions qui tourneront tous les 3, 4, 5 ans, à partir du fond de nos collections, et puis un rythme classique d'exposition temporaire, donc là avec plutôt un rythme de 4, 5, 6 mois, 1 an, à partir de nos collections, ou à partir d'emprunts ou de collections invitées d'autres établissements. Au rez-de-chaussée, on va avoir l'accueil avec la boutique à l'arrière, des salles de médiation et gagner sur ce qui était les anciens ateliers du musée, le musée des tout-petits, donc dédié au public des enfants de moins de 6 ans, avec une première exposition qui s'intitule « Tous les bébés ». Au sous-sol, les expositions temporaires, donc ce sont 500 mètres carrés qui sont gagnés sur le jardin, donc qui sont sous le parvis actuel et non pas sous l'immeuble. Donc avec une salle modulable, on pourra accueillir une très grande ou deux expositions moyennes. Le premier étage est celui qui va être dédié aux expositions semi-permanentes. Alors il y aura à chaque fois deux expositions, une qui sera une exposition régionale qui permet de faire tourner ce fond-là de collection avec une première thématique sur le littoral aquitain. Et puis une deuxième salle avec plutôt des thématiques de biologie ou d'anatomie comparée, ou de zoologie en général. Et la première exposition s'intitule « Qui mange quoi ?» ou plutôt « Mange-moi si tu peux !» qui est le titre final. Dans le hall d'accueil, on va pouvoir montrer la diversité immédiatement observable, la diversité des couleurs, la diversité des formes, des tailles, des peaux, pour simplement, sans délivrer de message pédagogique, simplement provoquer la curiosité, l'émerveillement, la surprise. On monte dans l'escalier. Là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la diversité des milieux. On commence par la diversité du milieu aquatique, eau douce d'un côté, marin de l'autre. On a 14 bornes qui vont permettre aux visiteurs d'en savoir plus, d'aller interroger chaque thématique et de découvrir quelques-uns des spécimens présentés en vitrine dans leur milieu naturel, avec une grande collection de photos de ces espèces in natura. On va aussi découvrir le temps. Il y a un ensemble de vitrines consacrées aux fossiles, qui sont les espèces disparues, mais dont nous avons des témoignages aujourd'hui. Et ces fossiles qui ont autrefois été interprétés comme de simples curiosités de la nature, alors que peu à peu, on les a comprises comme étant les ancêtres des espèces que nous connaissons aujourd'hui.
comment classer le vivant. C'est un peu différent aujourd'hui d'hier, mais on veut expliquer comment s'est construit le savoir, c'est-à-dire ne pas délivrer une sorte de dogme scientifique au public, mais essayer de montrer comment s'est construite cette pensée, comment on classait dans l'Antiquité, comment on a classé au XVIIIe siècle, au XIXe et aujourd'hui. La dernière thématique, c'est exploiter, préserver la nature. Et donc on voit que la place de l'homme s'est déplacée. On découvre l'espèce humaine au milieu d'un groupe de primates dans la vitrine des mammifères, donc à sa place normal dans la classification, et on retrouve un autre mannequin qui représente lui aussi l'espèce humaine, mais à l'extérieur, face aux vitrines, où l'on montre en fait l'action de l'homme sur la nature. Il y a deux petites salles dépendantes au fond, une pour en savoir plus vraiment sur la classification du vivant, une sorte de salle d'exposition, animation, démonstration, constitué comme une sorte de petit laboratoire. On va vraiment, là aussi, pouvoir actionner des bornes pour essayer soi-même de classer différentes espèces ou être accueilli par un médiateur qui pourra tirer quelques spécimens des vitrines pour pouvoir montrer bien les détails anatomiques sur lesquels reposent ces critères. Et puis, dans la salle finale, on va avoir un espace qu'on a appelé Carré Arrêt Science, où on invitera des artistes qui portent un regard sur la nature, donc peintres, plasticiens, dessinateurs, sculpteurs. Donc ouverture du muséum prévue le 31 mars.